Sans la loi qui ne prouve rien.
pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester une semaine sans rien faire, eh bien, mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long, 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 le temps nous paraît long. Quand la vie impitoyable nous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse, d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Marion Michelet. Que toute chose est plus propre, plus intelligent, plus noble que moi, plus courageux, plus gentil, plus beau, etc. Je me sens parfois même inférieur à une simple mouche traversant la table en rampant. Une mouche représente un véritable défi parce que la mouche, elle n'en a rien à foutre de toi. Et toi, tu es là, à fixer. Elle fixe des yeux en te demandant si elle va chier ou s'envoler ou crever. Ou ne faire aucun de ces trucs. Parfois la peur s'empare de moi tout entière. Elle bondit de partout et de nulle part. Je baisse les yeux et je vois que j'ai lacé mes chaussures maladroitement. Et qu'une longue ficelle dépasse. Mais je ne peux rien y faire excepté l'enregistrer machinalement et me sentir comme un trou du cul. Les choses futiles me réduisent à l'état de merde. Toutes les choses futiles. Les factures de chauffage, le fil dentaire, regarder les gens qui attendent debout devant une église, aller dans une station-service pour faire le plein, faire la queue, me peigner les cheveux, toujours se débarrasser de la moitié d'un tas de trucs comme des tessons de bouteilles ou des rognures, sinon elles se pointent, t'attrapent et t'enferment, ou d'autres choses. Comment entendre malgré soi la conversation d'autres gens alors que tu es assis en train de manger à la table d'un restaurant ou que tu es bloqué quelque part? Ces gens-là ne disent rien d'intéressant du tout. Ou alors ils répètent des trucs et des phrases que d'autres ont dit. Ce sont des idées volées, de vieilles paroles mâchouillées qui sentent le pet et des rires mécaniques monotones. C'est comme si je me prenais un club de golf en pleine tête ou un coup de poing dans les tripes. Seulement c'est pire. Et les peurs, la lâcheté des peurs pour tout et pour rien, de partout elles te rentrent dessus sans que tu puisses y comprendre quelque chose. Tu n'es qu'un idiot, tu n'es pas loin de ravaler ta propre mort. Même le suicide est sans valeur à côté de ça. Et puis, dans l'espace d'un flash, d'une seconde, d'un clin d'œil, c'est terminé. Et tu es courageux, tu es mignon, tu es intelligent. Tu es dur, tu es fort, et pourtant tu restes toujours gentil. Quel envoi de fleurs. Tu dis à ta femme sur le ton de la plaisanterie et tout en souriant. Je ne vois près de personne d'autre à qui je voudrais ressembler, mis à part moi. Et seulement, ça n'est pas tout à fait une plaisanterie. Merde. Tu peux traverser une pièce d'une seule enjambée. À l'extérieur, dans le monde, là dehors, dans les quartiers d'affaires et les quartiers de non-affaires, tu dis des trucs brillants et dingues, et les gens se marrent et ils rigolent de bon cœur. Tu ne crains personne. Un grand type te jette un coup d'œil et tu lui fais aussitôt baisser les yeux. Tu peux te payer cet enculé. Son regard est vide. Si tu as ressenti ça, alors tu serais capable de faire des bonds de 10 mètres dans les airs. Extrait Bukowski. Chavignol.
C'est pas possible en fait. Pourquoi tu fais tant de mimiques avec ton propre visage? Tu fais le
qu'il y avait une signe qui était interviewée, c'était sur la guerre en Ukraine. Donc on était vraiment sur un sujet drôle, du coup. Et elle commençait toutes ses phrases par un rire. Faut me demander! Faut me demander! Pourquoi tu ris en fait? Et par contre, c'est un sujet super sérieux, genre les crimes de guerre. Il y a pire que les gens qui parlent en riant, il y a les gens qui parlent en pleurant. Et on le fait tous, hein, on le fait tous. C'est un moment dans une conversation avec des amis tout à l'heure. J'en ai un petit peu saisi par une émotion. C'est marrant, la dernière fois, j'ai revu Pierre et... Je me dis, c'est quand même la dernière image qu'on laisse de soi. Donc, j'ai envie de partir toujours sur une bonne image.